Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la crise économique qui est devant nous sera rude, avec le risque évident d'un chômage massif. Nous devons tirer toutes les leçons de la crise de 2008 et donc tout ce qui ira dans le sens d'un soutien à l'investissement et à la consommation sera positif. C'est la raison pour laquelle nous saluons l'initiative franco-allemande pour que l'Europe accompagne la relance par les États. Mais, je veux le dire aussi, l'argent public ne peut pas être donné sans contrepartie. Nous devons éviter au maximum les licenciements et préserver notre capacité à produire site après site, usine après usine, en répondant aux nouvelles exigences économiques, numériques et écologiques. Nous attendons cet après-midi les annonces du président de la République pour le secteur automobile. Mais je veux vous le dire, nous sommes d'ores et déjà inquiets de l'attitude du gouvernement face au projet de Renault. Vous semblez accepter la fermeture de certains sites alors même que le constructeur va bénéficier des prêts garantis par l'État à hauteur de 5 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, l'État actionnaire a une responsabilité particulière qu'il doit assumer. Et notre proposition, elle tient en 4 points. Premièrement, garantir le maintien dans l'emploi des salariés en articulant activité et formation. Deuxièmement, sauvegarder les sites en relocalisant au besoin certaines lignes de production aujourd'hui installées dans des pays qui pratiquent ce qu'on appelle le dumping social. Troisièmement, prendre résolument le virage vers les motorisations plus sobres, plus propres et en particulier bien sûr l'électrique pour aller sans attendre vers une industrie décarbonée. Enfin, quatrièmement, créer un mécanisme de solidarité de filière avec les sous-traitants, avec Merci, les équipementiers monsieur qui le ne peuvent député. Pas être... La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. 10 secondes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Garot. La question que vous posez, elle est au cœur de nos préoccupations. C'est de savoir comment nous allons accompagner les entreprises pour permettre aux salariés de ces entreprises de traverser cette crise qui est devant nous. Puisque derrière les entreprises, ce n'est pas ces établissements, c'est les emplois, les compétences, les capacités de production pour lesquelles nous luttons. Et effectivement, vous proposez 4 points dans votre démarche et je veux illustrer chacun de ces points. Le premier point, c'est la transition écologique énergétique. Elle est au cœur des prêts garantis par l'État que nous signons. Elle est au cœur des discussions que nous avons et je ne peux donner que l'exemple d'Air France lorsque nous discutons, par exemple, une contribution de plusieurs milliards d'euros il y a encore quelques semaines. Et vous avez raison, c'est une nécessité car c'est un élément qui permettra de transformer notre industrie et de la rendre plus compétitive. La deuxième chose, vous parlez des compétences. Et je vous rejoins sur le fait qu'il va falloir mettre le paquet sur la formation, c'est les plans sur lesquels travaille Muriel Pénicaud, qu'il va falloir mettre le paquet sur la protection des savoir-faire et en particulier en R&D. Et c'est un des éléments que nous retiendrons notamment pour le plan aéronautique et également pour le plan automobile. La troisième chose, c'est d'éviter le dumping social. Pour éviter le dumping social, il y a 2 voies. La première, c'est effectivement de savoir faire reconnaître nos qualités environnementales et les qualités sociales de nos productions. C'est le mécanisme d'inclusion carbone que nous demandons à la Commission européenne de mettre en place. C'est le travail que nous faisons sur la valorisation d'un niveau, je dirais, social minimal au niveau européen. Mais c'est également une question de compétitivité, c'est-à-dire nous devons aussi balayer devant notre porte, c'est ce que nous essayons de faire par exemple en regardant les impôts de production. Enfin, le dernier élément, la solidarité, croyez bien que c'est au cœur du plan automobile Merci, entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre. La